fanatique Chef Manu, aujourd'hui à Chef Maldini avec une recette pour nous. Il y a un peu de monde qui t'a demandé pour qui ça que je me fais un manger haïtien complet, c'est-à-dire sauce poire, légumes, diri, tout ça. Et bien, aujourd'hui à Chef Manu, bral fait manger haïtien complet. Donc là, complet. Je vais faire sauce poire et puis sauce calalou, diri blanc. On va suivre ensemble. Avec. Là, on va constater, moi, je vais mettre le poids dans du feu. Je dis, moi, je vais cuire ton poids pinto. Moi, je vais faire sauce poids pinto. Là, je vais faire sauce poids pinto. Moi, ça, c'est poids. C'est juste moi-même avec marine. Tout ça, ça fait. C'est fort ça que nous cuisons. Moi, toujours mettre les ingrédients ça au bruit dans le poids. Raison, je trouve que le poids n'a pas de assez de vitamine C. So, du coup, je cherche le petit banane pour additionner la dedans juste pour me capable de faire sauce poids dans. Non seulement un bon goût, mais pour être capable de riche en vitamines. So, je vais déjà avec poivre déjà. Ça, c'est de l'eau quoi qui n'a du fait. Je vais mettre poivre dans le bouilli pour être capable de faire sauce poivre. Ok. Mettez poivre dans le bouilli. Et après, tout ingrédient ça a été déjà lavé. Vous pouvez mettre carotte. Non seulement carotte, il y a des vitamines là-dedans. Mais la boîte de sauce poivre est belle, c'est cool. Mettons un petit tomate bouilli dans le poêle. Toujours, chef man, toujours mettez ingrédients à yon bouilli dans le poêle. Ça, c'est un petit céleri. Et là, c'est l'ail que je vais mettre bouilli dans le poêle. Et c'est un petit persil qui est déjà lavé que je vais mettre dans le poêle. Et puis, dernier bagage que je vais faire, c'est ajouter un petit huile bouilli dans le poêle. Il y a des gens qui mettent baking soda, qui c'est bicarbonate, juste peut-être pour pouvoir cuire. Vite, bon, pour même pas n'empresser. So, alors, c'est comme ça que man, chef man, alors, mettez poêle bouillie. Pendant que poêle bouillie bouillie, et puis, nous allons faire tremper bien tout ça, et puis chef man a montré tout le process. Et voilà, so, comme nous avons constaté, poêle moins bouillie là. Ça, c'est un bloc que je vais mettre pour viande, et puis je vais mettre un petit vinaigre. Là-dedans. Et là, l'eau fait sauce calalou. Alors, c'est mon latibonite. So, le plus souvent, ou je vais essayer de viande qui mix l'eau fait, you know, sauce calalou ou du moins légumes. Là, moi, j'ai un petit viande bœuf, moi, j'ai un petit crabe, moi, j'ai aimé viande poule en pile, moi, j'ai un petit viande poule. Et puis, moi, j'ai un cribiche, moi, j'ai un petit grade blanc que je saisonne, ça fait quelques. En tant que mes saisonnés déjà, et puis je juste mettre de l'eau chaude là. Et puis je un petit pied poule parce que moi-même, je mets pied poule. Et puis je aussi juste c'est pour nous. Et puis là, je mets un petit viande coden qui était en train de déjà, qui était passé chaudier déjà. Je juste additionner là-dedans. Ça, c'est moi, ça, c'est tout le viande que moi voulais qui pour dans les légumes. Mais quel que soit la viande ou manger, ou capable de faire la veille. Ok? Et moi, si c'est viande pour l'ouvrir, ou faire la veille viande pour l'eau. So, je vais déjà bien saisonner, je vais mettre un petit sel là-dedans, bien saisonner. Quand il y a, ça, je vais le faire. Je vais le saler en paquet de vaisseau. Ça, c'est de l'eau maintenant qui est déjà là, que je vais fermer. Je vais juste laguer, viande moi, tout le barrage moi, là-dedans, juste pour moi, capable de chauder. Ok? Et puis là, après que je lave viens moins bien chaudé. Et puis, écoute, je et puis, écoute, ça me va le faire, je vais le retirer dans de l'eau. Hein. Je vais le couler pour me retirer dans de l'eau et puis pour me capable mettre épices là-dedans. Ok, là, vous êtes capable de constater là, vient moyen li chaudé. Ok? Li chaudé, qu'on est à peu près pour moi mettre épices dans viande. Ok? So, on va mettre épices dans viande. Et puis après, on va placer tout le monde ensemble. Moi-même, j'ai quand même fait sauce calalou. Je ne vais pas mettre bien moins cuit à part, et puis je fais calalou à part. Non. Tout va aller ensemble. Tout va tout faire ensemble. Et puis,
la viande finie. Ou bien mettre l'épice dans la viande. Ou mettre quantité d'épices qui dans le choix que vous même au désir. Ok? Là, gen moun qui pas manger pas de tomates. Nous capable constater mon pas de tomate là, mais gen moun qui pas manger pas de tomate. Peut-être ou gen doit utiliser un petit sauce comme ça. OK? Moi-même me mettre tous les deux raison hein, parce que ça, il permet que le pas fait de l'eau sauce calalou là, de l'eau parce que moi-même mes sauce calalou, c'est comme si c'était sauce viande moi que m'ta fait pour les bien pour pas de l'eau, spécialement laisser à sauce pois que on va manger, OK? So mettre un petit ragout sauce tout petit et puis ça me va le faire on va le mettre un petit pas de tomate bon mettre un petit pas de tomate tout petit c'est choix si toutefois on va manger pas de tomate s'il vous plaît pas mettre là si c'est ou juste ragout sauce là ou juste mettre ragout sauce ou seulement on va besoin mettre pas de tomate parce que nous connaissons des amis nous qui toujours dit comme ça que mieux va manger pas de tomate pas bon voilà. Si vous pas manger, pas mettre, c'est tout. OK? Là, hein, viande moyen, là, il est trempé. Ça, c'est un petit jack seasoning, c'est un barat jamaïcain que moi, je mets en pile parce que il est piqué. Et puis, c'est un petit épice. Moi, je mets un petit crasse là-dedans. Bon, c'est pas une obligation pour mettre les. C'est moi-même qui les mets. Je vais juste prendre le vin, ok? Là, viens nous tremper, ok? Il y a épices, et puis épices, moi, il y a tout le bagage là-dedans. So, vous mettez pas de tomate, si vous voulez. Si toutefois, vous ne pouvez pas manger pas de tomate, ou pas manger la goût sauce tout, ou juste mettez épices ou seulement, et puis c'est fini. L'autre bagage que je vais faire, pour les gens, dans la viande moyenne, je vais mettre un petit l'huile. Moi mettre un petit l'huile dans viande moi parce que l'huile sauce calalou a détouffé c'est pas laisse ça pour mettre l'huile là-dedans faut que l'huile là tout cuite là-dedans OK so m'utiliser chaudière ça parce que chaudière ça lui permet que légumes la bien frit la bien collé non steak yo pas collé et puis les légumes dans fonti collé en bas li gon petit goût que en particulier que le bail légumes là qui vraiment bon. Alors, ça c'est préparation viande moyen. Kounya, ça, t'es qui t'en trempé déjà, mais juste à prendre, moi, la gueule là-dedans. Ça, c'est un petit tête, des trois petits morceaux de tête. Nous prenons la gueule là-dedans, ok? So, kounya, nous allons préparer calalou. Cela, so, calalou, maintenant, vous pouvez constater que les fous, c'est dans le freezer. Raison, moi, t'es acheté et puis. Mon conseil laver tout ça et puis me conserver dans le freezer. Je vais laver encore, résumons parce que je ne vais pas de calalou dans le filet. Donc, nous allons prendre, nous allons mettre calalou. Moi, je toujours mettre calalou sous côté. Mettez-le sous côté comme ça. Ok. Mettez calalou sous côté. Pour y a des petites tomates. Si vous ne voulez pas manger tomate, pas mettez tomate. Des petites tomates, tout rachet, mettez là-dedans. Hey, mon père toujours mettez carotte dans la sauce calalou. Ok? Et puis moi-même, je mets carotte en pile. So, mettez un petit carotte tout fait sous côté. Ok? Et puis là, façon reste cresson que m'te gagné dans freezer. M'va mettre cresson. Mettez cresson sous côté parce que là m'a grandi, maman toujours gagne mon calalou, ça va qui pas manger sauce calalou. Maman toujours mettre petit cresson sous côté juste en case pour monde qui pas manger calalou, il juste lever bois qui gagne cresson, il bay moun nan et puis avec viande et puis tout reste l'eau sauce là, OK? Et puis là, m'a déjà lavé un petit persil, mettez persil maintenant. Moi fais un bout un piment mettez girofle là-dedans mettez et puis là on va le craser on va constater que on pas jamais mettre maggi pour y on va craser un grain maggi pour mettre hey si pas manger maggi pas mettez et que moi ça dit que je pas manger maggi tout ça si pas manger pas mettez ou si mais la légume la sauce calalou là bon on va pouvoir c'est juste de l'eau seulement à mettre
la dan. Pas pour mettre en rien encore. OK? Et voilà. Là, on capable constater que moi j'ai un petit l'eau là. Ça son secret, il y a grand monde qui ban moi dans ma fait sauce calalou des années de cela. Qui ça que lié? On met un petit sel dans l'eau là, OK? On prend un petit pas de tomate. Ou bat li nan d'l'eau. Puis là on finit. Là on finit faire pas tomate la fond nan d'l'eau, bral simen juste sous kalalou. Rezo. Kalalou bo ici yo, yo remet fan. Yo remet ouvri fait de bon. Pour moun ki Ayiti yo, gen doit pas appliquer ça. Mais moun ki a vive nan pays étranger, kote n pa jwenn bon ti kalalou, tan ti kalalou rond, tan ti kalalou nan Ayiti. Trust me, fais ça et puis on va voir le résultat. Ok, là, le fond, on va vider sous kalalou. Après kalalou, après te dormi dans la chaudière, li pap ouvri. Non seulement li pap ouvri, et puis li a gagné yon belle, belle couleur. Ok? Là, on va capable constater, regardez la chaudière maintenant, on va capable constater tout ça que m'a besoin. Yo an dan chotea. Koun yam bral tout fait kalalou nan pour 1 heure de temps et demi. Ça c'est moins parce que moi-même vle pou kalalou nan jaune. Et puis le map tout fait, m'pa bali yon gros du fait. Ou kite kalalou a dormi nan chotea, pas forcé cuit. Koun yam la, m'bral mette couverture en sous lit et puis pour moi capable tout fait. OK, cela nous avons un légume qui est toujours tout fait. Et ça, la sauce pour pois, il est déjà bon. Il est déjà cuit. Nous allons blender. Bien cuit. OK? So, nous allons blender pour nous. Mais avant que nous blendions pour nous, on a fait quitter ça. Là, toujours. Puisque il est chaud, mettre ça en bas. Ça, là, c'est pas pour nous faire du rien. Mettre un petit huile là-dedans. Et puis mettre un petit l'ail pour qu'il pour frire là-dedans. Parce que je n'ai pas gagné pour. Et puis pendant ça a frit, OK, pendant que il a frit, nous braler préparer nous pour nous capable blender poire. OK, nous va vider, nous va blender poire avec carotte, poivron, tout balai que nous te mette bouillir dans poire, nous va blender poire ensemble avec. Et faites attention pour le blender pour spécialement les chaud comme ça, pas plein net pour les pas exploser sous. OK. Couvrir pour nous capable aller blender et puis en même temps tout nous à vérifier pas qui gagne pour nous faire du. Ça est frit et puis vous pouvez parler fait du lire. OK, so kounya nous allons blender. OK, so là mettez de l'eau du riz là, on va seulement ajouter un petit sel. Tout petit dans de l'eau du riz, OK? Et puis là, c'est poivre nam sot blendé. Au cas où constater bon, belle couleur, c'est comme si c'était un poivre beurre. C'est comme ça moi-même. Pourtant, c'était un poivre pinto que t'es. Somme qui est un petit grain de poivre tout petit. Et puis là, on va aller couler. Pas quoi m'a besoin trois gros mains. Mais m'a coulé quand même. Et puis, je vais rincer ma chepille dans l'épice moyen pour être capable de couler la veine. Quand on y a, je vais aller verser là. Moi, je mets poivre sur ce poivre pour être vraiment, vraiment gros. OK? Spécialement, c'est avec sauce viande ou bien sauce poisson ou bien une sauce calalou que vous allez manger.
ou pas d'un pour sauce pour la table l'eau pour la juste couler en bas. Ça, ou besoin pour sauce pour la bien pousse. Mais comme ça, tout si vous voulez un peu liquide, tout c'est où c'est choix pas où ou faire les gens que vous même vous aimez là. Ok, donc laisse quoi bien cuite et puis vous blendez le ouais. Ou pa jwenn pou anpil ma. Ok, sa se sos pwa nou. Si, se kom si se yon sos pwa be. Bel koule. E deja, ou kapab wè ke sos pwa nan li tout pwes pou kont li san ke mpo pou metil sou di fe pou li kwi. Koun ya, sa ke nou bral fe, nou bral li ajoute epis avek yon ti bouke gani, epi yon ti be, epi yon ti magi la dan, epi pou nou kapab metil sou di fe pou li kwi. So, mwen ajoute yon ankiye epis. Ok? Mwen ajoute yon ankiye epis. Mwen gen yon piman ke mette jirof pike la dan. Mette. E pi la, mwen gen yon branch persi. Mwen mette boui nan pwam nan. E pi, konye yon, mwen mette yon ti beur boui nan pwam. E pi, avek yon monsou magi. Se tout sa yon mwen mette nan sos pwam nan. E pi la, mwen mette li sou di fe. Ok, mwen mette li sou di fe pou li kapap vin pi pwes pou bouyi, pou magia. E pi apre sa pou mwen goute, pou mwen kapan flavor. E pi apre sa, sos pwam nan. Et voilà, sauce pour moi là, consommer légumes mon bras bon tout à l'heure. Et ça c'est de l'eau du rime qui a bouilli. Et puis là, mettons un petit de l'eau chaude pour mettre dans les légumes là. Il y a une bagarre que vous devez connaître. Ni sauce viande, sauce poisson, sauce calalou. Nous t'encourageons toujours prendre le petit vaisseau, mettre un petit de l'eau chaude là-dedans. Ou bien sou gonti chicken broth, ou santen, pa jist pre de l'eau fret pou la gen nan sos kalalou la, ou bien pre de l'eau fret pou la gen nan sos yon nan. Toujou servi avek l'eau. La, durim nan, sot la re durim nan, epi met l'eau durim nan la, li a boui. Mwen bral pran durim nan pou mwen la gen li nan l'eau la. Ok? Epi le, durim nan fin sech, m'a retiré la juste monté en l'air tête li avant même que m'en brasser moi après tirer la dedans. OK, so là c'est juste du riz qui là voilà moi a juste quitté li pour le bouillir pour cuire et moi a descendre volume nan net juste pour l'été pour les cuire parce que jan de chodye sa yo, yo reme brile. So, ou fok ou servi avek yo, di fe ki tre lo. E la, se sos pwa nou an ki ap konsome la. Ok? Si ou tout fwa wè pou le sos pwa konsan, ou kapap konstate ke, mde mette karot boui la dan, mde mette poivron rouge, poivron ver, seleri, lay boui la dan, ki fe ke paret pou le sa, ok? E pi la, se sos kalalou nou an, ki rive nan peni, ou kapap konstate ke, ou kapap tande ke son kote ke li ap fri la, ok? Mde ki te kalalou an, pou l'toufe, ak yon ti dife ki tre lo, ok? So la li ap li sa nou rele li kole an ba. Si li pa brile, men se kole l'kole an ba. Konye a, sa ke nou ap fe, nou bral pran d'lo chonou an nou te genye la. Se avel, nou bral servi pou nou fe d'lo pou nou mette
dans sauce crème. L'aime ta prendre l'eau mon ta bouillir, tu mettez un petit l'ail bouilli là-dedans avec un petit jus avec un petit coup de l'ail, tu te prends mettez bouilli dans l'eau. On a moi braler. On va mettre sauce à la l'eau tout avec un pile d'eau pour plein d'eau. So, nous braler et puis on va bagarre. Capable constater que quand la l'eau là, il pas ouvri. Il est bien dormi quand la l'eau a pas fond pour après toute graine quand la l'eau a, il te bail secret a déjà, c'est fais un petit bloc sel, mets un petit pack de tomates là-dedans, brasser ensemble et puis vider sous calaloua pour calaloua capable bien d'eau. OK? Quand il y a, on va mettre l'eau dans sauce calaloua. OK? Ça c'est juste l'ail avec du jus de mettre bouillir dans l'eau, on pas besoin. OK? OK. Là il vient dans partie ça là. Ou pas prendre qui est pour mettre pour brasser. Sous côté ça, on peut toujours battre pour décoller. Vous comprenez? Mais sur ce cas-là, on pas demander que pour brasser. Ça que vous avez besoin, vous avez besoin d'un torchon. Vous avez besoin d'un torchon comme ça. Vous avez besoin d'un deux oreilles chaudières. Et puis, vous secouez. OK? Ou secouer tout autour. Ou pas prendre qui est pour écraser calalou pour passer dans calalou. Ou juste secouer, OK? Et puis ou descendre différentes nettes, mettre différentes sous deux, ou elle besoin petit calalou à bien dodo là. Et on capable pas constater tout, on pas mettre tout en pile l'eau la dernière, ça c'est moins. Ou mettez quantité d'eau qui fait plaisir, OK? Et puis là où il doit prendre qui est ou comme ça juste dans partie ça ou comme ça, OK? Ou pas côté calalou à là ou pas toucher le même juste une petite partie ça yo. Et puis ou pas courir à mettre magi sel en rien ou goûter, OK? Ça fait me secouer me passer qui a tout en bas ça yo pour faire sûr tout petit bagage qui collé en bas yo. Vous comprenez tout ces vitamines, ces goûts, parce que tout goût sur ce cas-là, c'est un balayé. Hein, ou fait sûr que vous décollez le kit le fond si bouillis tout petit. Là, vous avez besoin de fait tout petit. Vous avez besoin là. Et puis, après 5 minutes, le sauce cas-là, vous avez fait, vous bouillis ou vin goûter. Là, vous goûter si vous suivez tout ça que vous avez fait, ou pas besoin un rien pour mettre dans sauce calalou. Moi-même ça que je vais faire là, c'est juste un petit jus citron à la fin, m'a juste prend moins je squeeze les sous petit calalou nan et puis me fini, pas rien. Bon même si me pas goûter sauce calalou, m'te juste servir comme ça, m'ta prêter quoi que li bon parce que m'te tout fait avec tout bagaille. Là, l'arrivé dans point ça, ou pas ni rancher, ni oignon, ni piment douce. Pour mettre ça là, c'est fini. Et pour juste quitter ce scalalo, consommer et d'accès. Vous voyez, je vais faire un petit goûter. OK. So, ce moyen là, c'est censé bon. Ce scalalo, look at it. Ce scalalo, c'est censé bon là. Ce poids est bon. Comme je vous dis déjà, là, je vais retirer la yo qui est dans la durée pour moi capable. Fait. Et on va retirer toute la yo. Et puis là, on va brasser. Bien, il va rouler en bas. C'est une raison qui fait me dire toujours mettre du feu sous l'eau parce qu'il y a plus de monde qui a plein pour. J'ai des pâtes ça parce que je voulais à faire. C'est juste que je mettais les en sous l'eau. Et puis là, juste mettre la couverture sous l'eau et puis pour durer à lui-même cuit. Et puis tout à l'heure, je vais tourner pour venir nous montrer le dressage là. Et voilà! C'est sauce pois, sauce calalou, diri blanc, chef manan. M'balou ouvri en da calalou à poué. Si. Bien jaune. N'est pas vert. Et très très facile pour manger. Alors, voilà, c'est comme ça.
Si. Pas de fil. Il n'y a pas de pièce fil là-dedans. Ok? Mais bah, on met à la loupe, mettez au sous côté. Et puis, on compte 6 sauces poire, on mettez. Et puis, voilà. Et on mange. C'est très, très, très bien. C'est pas parce que c'est moi qui fais là, mais c'est parfait. Parfait, parfait. Alors, c'était Chef Man qui était venu avec recette sapon, qui t'a montré que j'en pour lui faire. Alors, Chef Man fait sauce kalaloul, sauce pois, diri blanc. Maman, d'autant t'en prie, abonnez avec Chanel là, invitez famille ou zami ou pour capable abonner. Pas oublier, faire commentaire, like, subscribe, share. Et comme ça pour l'autre monde qui n'a pas pour le travail Chef Man à faire. Commentaire est vraiment important pour moi. Et ça dit qui sont pensés, les gens font l'un, tout ça, si vous avez l'autre façon qu'on fait. Fais-moi connaître en bas commentaire ça. Fabien, c'était Chef Man. À la prochaine.